Alors pourquoi je choisis ce BTS? Donc moi c'est simple, quand j'étais fin de terminale, donc du coup en STMG, l'établissement Charles Lefoucault est venu avec certains élèves du BTS et ont présenté leur formation et j'ai tout de suite accroché. J'ai adoré en fait la partie relations clients, aller voir les personnes et en fait qu'il y ait un lien, une interaction avec les personnes que je vais voir. Pourquoi j'ai choisi ce BTS? Donc j'ai fait un bac général avec spécialité sciences économiques et sociales et géopolitiques. Je savais que je voulais pas atteindre le client, que je voulais plus aller moi vers le client. En allant sur Parcoursup, je suis tombée sur ce BTS, donc à Charles de Foucault, et qui au final m'a bien plu, qui correspondait à mes attentes. Alors du coup, nous, ce qu'on fait en stage, généralement pour les animations commerciales, en fait, ma journée type, c'est le matin, je pars à mon lieu de rendez-vous, donc je mets en place donc mon animation, en fait, je vais voir les clients, je vais leur proposer mes produits, je vais leur faire goûter. Fin de journée, ça va se passer vers 17h. Fin de journée, on remballe tout, on remet tout dans la voiture, on repart, et après, on refait des petites analyses de résultats et de tout ce qu'on a vendu sur une journée. On a fait plusieurs stages, et un stage en particulier, le 4L Trophy, donc recherche de partenaires. Donc on était en binôme, on avait un fichier client, on devait aller directement sur le terrain, donc ça c'était réseau relationnel ou prospection directe. On allait voir les entreprises, on essayait de leur vendre le projet, et qui collaborent avec nous sur ce projet humanitaire. Alors ce que je voudrais poursuivre comme étude l'année prochaine, l'alternance me plaît beaucoup et pourquoi pas m'orienter vers la logistique, donc MLT. Donc pour l'année prochaine, mon projet ça serait plus de partir sur un bachelor RDC, donc c'est responsable développement commercial. Donc ça va être plus manager une équipe commerciale, être vraiment sur le terrain avec eux, les accompagner.